Allah tabaraka wa ta'ala, il dit en parlant des mushrikin, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillahi, ashaddu hubban lillahi min hubbil mushrikin lillah. Donc un mushrik, il peut aimer Allah, mais il aime avec Allah d'autres divinités. Donc ne vous faites pas tromper, quelqu'un, il dit il aime Allah, ou de voir de lui, on dirait qu'il aime Allah. Mais malgré cela, il aime en dehors d'Allah des divinités avec lui. C'est ça le shirk. Le shirk, c'est d'associer à Allah dans une chose qui lui est spécifique. Idan, la ilaha illallah. Donc c'est ça le sens de l'ilah, al-ma'bud. Et les Quraysh, ils l'ont bien compris. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à la ilaha illallah, ils leur ont répondu quoi ? Aja'al al-alihata ilahan wahida. Et aja'al al-ma'budati ma'budan wahidan. A-t-il fait de toutes les divinités qu'on adore une seule divinité qu'on adore ?